parler d'un livre qui s'appelle Black Rain de Chris Debian. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Adam, et en fait c'est dans le futur, et il faut savoir que Adam est schizophrène, et il est dans un institut où on élabore des nouvelles techniques pour soigner justement ces maladies-là, ces maladies psychologiques. Et en fait, le livre commence, il est dans un univers bizarre, où il, comme dans un jeu vidéo un peu, et il a un but, enfin, avec son ami, il faut qu'il fasse, enfin, c'est assez glauque comme ambiance et tout, et en fait, il faut qu'il survive, il faut qu'il retourne à l'hôpital. C'est le but qu'il a dans cet autre univers. Et il faut qu'il retourne à l'hôpital avant un certain nombre de temps. Et quand finalement il se réveille, on découvre qu'il est dans un institut justement où en fait on les endort, avec, on leur met des sons, des trucs bizarres, et justement ils se retrouvent dans cet autre univers où on leur met des obstacles pour les évaluer, pour voir, pour essayer de modifier un petit peu leur maladie. Et en fait il va voir des choses bizarres, Adam, et il va se demander si c'est vraiment virtuel ou si c'est réel. Parce que dans cette immersion, comme Isabelle, il va être poursuivi par un tueur alors que ça ne leur est jamais arrivé. Et on va découvrir des choses, des secrets par rapport à la clinique. Donc ça commence par une sorte de BD, enfin il y a juste 3 pages. Et c'est assez mystérieux et tout ça. Et franchement, moi j'ai trouvé ça génial parce qu'on hésite toujours entre la réalité, le virtuel et puis... Il nous donne plein de titres de musique, enfin, c'est vraiment super, c'est génial.